Alors nous sommes à Herny-Saint-Julien en compagnie de Monsieur le maire, de Michel, qui vont animer cet après-midi au profit du Téléthon. Donc qu'allez-vous faire cet après-midi exactement? On va réunir toutes les personnes du village pour essayer de voir un peu tout ce qui s'est passé dans le village depuis des années. C'est-à-dire vous allez remonter le temps? Voilà. Vous allez remonter le temps. Et bien sûr, il y a une rentrée. Ah, on a un petit droit d'entrée de 2 euros pour le Téléthon. Voilà. Tout à fait. Toujours au profit du Téléthon et toujours pour essayer de faire encore monter. Et je sais qu'Herny-Saint-Julien, c'est le berceau du Téléthon depuis déjà plus de 15 ans tout à fait. Dans le secteur. Voilà. Tout à fait. Et j'espère que l'année 2011 sera encore mieux que l'année 2010 et que nous allons remonter le compteur. Et 2012. Ah, il sera meilleur. Merci beaucoup. On va essayer de faire de remonter un petit peu dans le temps. Ça fait déjà une paire d'années qu'on dit qu'on va le faire et puis on ne le fait pas. Donc cet après-midi, j'ai décidé, on le fait. J'espère que ça va vous redémarrer pas mal de souvenirs et que vous allez passer un bon après-midi. Et puis je vous remercie tout le monde. Je remercie aussi Jean-Claude pour son prêt de salle qui nous met à disposition. Voilà, donc je vous souhaite un bon après-midi et puis j'attends aussi vos critiques et de ce que vous pensez de cet après-midi, si ça sera à renouveler parce qu'on a du stock. Donc si c'est à renouveler ou pas. Voilà, allez, à tout à l'heure. On se rappellera peut-être de l'abbé Duroc, qui a été le dernier prêtre d'Herny-Saint-Julien et qui habitait au presbytère où la mairie est aujourd'hui. C'était un catholique. Contrairement aux autres accordéons, là, il fallait tirer, pousser pour faire le jeu. J'ai Lulu. Rosa, à côté. Et je m'en rappellerai toujours Lulu. Une fois qu'on avait fait un bal sur la place, on avait fait une fête sur la place et puis on avait mis une barrière à un bas des écoles. Tu te rappelles, Francis? On avait mis deux poteaux, un chambrin. En vrai, il y avait encore un peu de lumière. Alors on a mis deux tréteaux, un grosse bâtasse au milieu et puis une lampe. Et puis c'était au début qu'il y avait eu 100 giratoires à mis sur la place. Et puis Lulu, bien sûr, à vélo, elle la prend à l'inverse. Le manque de bol, elle a remis le barrière, ça t'appelle pas.